פרק ב' משנה ד' פרקי אבות. הוא היה אומר, אין בור ירחת, ולא עם הארץ הסיד, ולא הביישן למד, ולא הקפדן מלמד. Donc, il est la zaken, nous disait, en bour yerechet. Ça veut dire quoi, en bour yerechet? Bour, c'est quelqu'un d'inculte, quelqu'un qui n'a pas, qui, comme une, c'est plus qu'un maharetz. C'est pire que le maharetz. Le maharetz, c'est celui qui n'a pas une grande, mais il a un certain raffinement. Le bour, c'est un grossier personnage. Le bour, c'est comme une terre qu'on n'a pas cultivée, qui est grossière, elle n'est pas travaillée. Elle n'est pas travaillée, elle est à l'état brut. Alors, il y a les grossiers personnages, c'est certaines personnes à l'état brut. Alors, quelqu'un à l'état brut nous enseigne, il est la zaken, il ne peut pas être yerechet. Il ne peut pas être yerechet. Le raffinement, c'est ça qui donne une certaine sensibilité au chet. Une sensibilité au chet. Quelqu'un de trop grossier, il est trop mégoucham, trop gashmi, trop matériel, pour avoir une certaine sensibilité au chet, il est indifférent. La grossièreté génère l'indifférence et quelqu'un d'indifférent qui n'a pas de cette sensibilité ne peut pas être un chet, ne pas un yerechet. Le yerechet, c'est celui qui a une certaine sensibilité. Ça, mais ça, le bourg, c'est quelqu'un vraiment qui est un grossier personnage, qui n'a pas de raffinement aucun au niveau des midotes, au niveau de la connaissance. Il est grossier comme ça, il se laisse comme il est. Velo amaretz chassid. Là, on parle d'autre chose. On parle de amaretz, il ne peut pas être chassid. C'est-à-dire que le Amaret, c'est celui qui a un certain raffinement. Mais il n'est pas, il ne travaille pas son limoud, il ne travaille pas sa Torah. Alors, en cas d'avoir qu'un Amaret qui se crée sa propre chassidoute soit un chassid. Le Amaret chassid. La condition sine qua non pour être un chassid, c'est la Torah. Sans Torah, tu peux être un chassid choté, pas un chassid. Le Amaret chassid. C'est la Mishnah qui le dit. On va voir. Non, c'est quelqu'un, on va voir tout de suite dans le Misilat Yesharim avec plus de précision, quelqu'un qui a approfondi la Torah, qui a ses moments de limoud, qui est orienté dans la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'est quoi la chassidoute? Celui qui a amaret, tu ne peux pas être chassid. Il ne sait pas ce que c'est la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Voilà, vous avez des gens qui vont étouffer leur famille. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de... Ça, c'est la chassidoute. Ouais. Voilà. Il ne sait pas ce que c'est la chassidoute. Il ne sait pas ce que c'est la chassidoute. Voulons m'arrêter ici, on va tout de suite voir. Alors, avant de poursuivre, les maasés, pour bien comprendre cette. Donc, le bourg qui n'est pas irréchette, on comprend. Ça veut dire, pourquoi un maaret ne peut pas être chassid? C'est quoi un chassid? Et pourquoi un maaret ne peut pas être chassid? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un chassid. Quand quelqu'un, une fois, étudié le Misilat Yesharim, on observe que le Misilat Yesharim, il est basé sur Yitzhak. Yashar, Tzadik, Hasid, Kadosh. Ouais. Tout celui qui a approfondi un petit peu le Misilat Yesharim, le Yashar, c'est le juif qui est initialement, donc qui a une droiture naturelle, innée. Ça, c'est Yashar, il est Yashar. Misilat Yesharim. Donc, il s'adresse, Rabbeinu Moshe Haim Lutzato. Ouais, d'où il vient Moshe Rabbeinu Lutzato? Un Italien, n'est-ce pas? Il est d'Italie. Et ouais, donc c'est le... C'est le Ramchal, c'est... Et il dit donc, il s'adresse à un Yachar, le juif qui est Yachar, Israël, il est Yachar, et il lui décrit donc le chemin du progrès, le sentier de celui qui est Yachar, Messilat Yesharim. Alors, il y a plusieurs étapes dans ce sentier qui lui permet d'arriver. D'abord, il faut que ce soit un tzaddik. Ça, c'est la première darga. Après, tu dois être un chassid. Après, donc, dans le cheminement du progrès, on ne peut pas sauter. Il y en a qui sautent. Ils veulent être chassid. Si tu n'es pas tzaddik, tu ne peux pas être chassid. Ils sautent. Il y a une certaine tendance à chercher des raccourcis. Ne pas étudier trop la Gemara, le chat, c'est tout de suite sauter à des études comme ça. Tout doit être progressif dans la vie, tu ne peux pas sauter des étapes. Alors, le Misilat Yesharim nous dit, l'étape première, c'est être tzaddik. Après que tu as acquis un certain niveau de tzidkout, travaille la chassidoute. Et après, une fois que tu auras été et tzaddik et chassid, alors tu as, Hachem, il t'offre la darga de Kedusha. Ça, c'est Yitzhak.
Yachar, tzadik, chassid, kadosh. Befi yesharim, titromam. Uvzivte tzadikim, titbarach. Uvilshon chassidim, titkadash. Uvkerev kedoshim, titalal. C'est toujours la même. C'est le cheminement de tout juif bien constitué. Il est yachar. Il est yachar. Après, il faut qu'il travaille pour être un tzadik. Une fois qu'il est tzadik, il peut être un chassid. Pas avant. Une fois que tu es chassid, on t'offre la kdusha. Et juste avant de préciser avec plus, la kdusha, c'est une matana. On va le lire tout de suite un petit peu dans le Messiah Ticharim. En réalité, c'est un petit peu le cheminement de tout juif depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à Shavuot. Yetziat Mitzrayim à Shavuot. Yetziat Mitzrayim, le peuple juif est né. La Yashrut est née. Combien il y a de jours depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à Shavuot? Il y en a 49, constitué de 32 et 17, n'est-ce pas? 32, c'est Kavod, Gematria Kavod. Kavod, lève, mais Kavod. 32, c'est la Gematria Kavod. 20, 10 et 2. Ouais, Vav Dalet et 2. Et Kavod. Et ensuite, il y a 17 jours jusqu'à Shavuot, de 32, 49. Tov. Tov, c'est Gematria 17. Le tzaddi, donc on est né à Yetziat Mitzrayim, on est Yachar. La première partie, Israël, la première partie c'est Kavod, les 32 premiers jours c'est Kavod. Un tzaddik c'est quoi? Un tzaddik c'est quelqu'un qui s'est donné du poids, Kavod. La chaîne Kaved. C'est quelqu'un qui s'est donné du poids et de l'importance aux choses. Quelqu'un qui a tendance à négliger certaines choses très importantes, ça va, c'est bon, bon Dieu me pardonne, c'est pas grave, ça va, je peux perdre mon temps, tout, etc., j'ai pas envie. Ouais, à ça il est pas tzaddik, donc il peut pas être chassid, ouais, parce qu'il a pas le kavod, il ne donne pas le poids, le respect. Kavod, l'étymologie du mot kavod, c'est du poids, ouais, du respect. Quand tu donnes du respect à quelqu'un, c'est lui donner du poids, de l'importance. Ça c'est la définition de kavod. Et ça c'est donc le tzaddik, c'est celui 32 qui arrive à. Ensuite il y a le tov, le chassid, c'est celui pas simplement qui s'est donné de l'importance aux choses, mais celui qui éprouve un goût savoureux dans ce qu'il fait. Et donc, celui qui éprouve un goût savoureux dans ce qu'il fait, il le fait toujours encore mieux. On peut faire les choses par acquis de conscience, un devoir. Ça, c'est déjà très bien. Mais il a l'importance des choses. Ça, c'est un tzaddik. Le tzaddik, il est tzaddik, il est juste. Le chassid, c'est celui qui va au-delà de ce qui est juste, parce que quand on aime, on ne compte pas. C'est-à-dire que si quelqu'un fait les choses avec un sentiment de devoir, alors il fait ce que je dois faire. Mais si quelqu'un il fait parce qu'il aime, il le fait avec, il fait plus, il cherche qu'est-ce que je peux faire encore. Dans le langage du sas, on retrouve plutôt le mot tzadik que chassid, n'est-ce pas? Chassid, c'est vraiment donner à des êtres d'exception. Vous savez, chez les acharonim, qui est-ce qui s'appelait chassid? Chez les acharonim. Il y a Chassid, il y a Avetz. Bon, il y a encore d'autres Chassidim. C'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il s'appelait Gaon Chassid. Chassid Rabbi Eliyahu. Top. Le Gaon de Vilna, il s'appelait Chassid. Comme ça, c'est la même dans les... Chassid Rabbi Eliyahu. C'est la Chassidoute, c'est la Chassidoute. Et ça, c'est donc... Yachar, Tzadik, Chassid, Kadosh. Achav. Juste pour donner les... Ça, c'est le cheminement premier. Donc, le bourg, Bichlal, il est out. Le Hamaretz, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a une certaine conscience, il n'est pas grossier, qui est insensible. Le Hamaretz, il a certaines qualités de sensibilité, il a un certain raffinement premier, mais il n'a pas encore bien imprégné la Torah. Et là, donc, il a du mal à être chassid, comme on va essayer de voir. Le Messiah Yesharim, donc, comme je l'ai dit, il le dit lui-même, ce que je dis, c'est marqué dans le Messiah Yesharim. Il a partagé son livre en toutes ses étapes.
Je vous lis, Messilat Yesharim, donc commence Perek Aleph, au 13e chapitre, Perek Yud Gimel, je cite, il dit comme ça. Aprishut itrilat achasidut. La prishut, c'est s'abstenir des choses qui sont totalement permises, mais qui finalement sont des abus dans la consommation des plaisirs matériels. Si quelqu'un mange un plat en plus, il est kasher la méhadrine, il y a une avera, non, il n'y a pas d'avera. Mais c'est en plus. Il n'est pas dans la prishut. Il peut être sadique. Il est rigoureux. Il n'y a pas d'avera. Pas d'avera, proprement dite. Mais il n'est pas dans la prishut. Il dit le Messiah Tisharim, prishut et trilat achasidut. Je vais tirer, et je souligne, chez kol ma shebi'arnu ad ata, les 12 premiers chapitres, ou ma shebi'tzarech ala adam le shihiyé tzadik. Tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, dit le Messiah Tisharim, c'est les valeurs nécessaires pour mériter l'appellation tzaddik. Ou mikan ou lala ou les cheyeh chassid. À partir du 13e chapitre, je vais décrire donc les qualités nécessaires pour être un chassid. Alors pour être un tzaddik, il faut midat azehirut. Il faut midat azehirut. C'est quoi midat azehirut? Faire attention de ne pas faire des averot, zehirut. Sourbera, excellent. Zrizut, excellent. C'est dans le asetov, excellent. Zrizut, c'est dans le asetov. Faire les mitzvot, ne pas les négliger. Ne pas négliger la vera, ne pas négliger la mitzvah. Faire les choses. Midat alikiout, c'est faire les choses proprement, c'est-à-dire qu'elles soient pures. Mais c'est l'action. C'est ce qu'il faut faire, bien, sans déchet. S'il y a un déchet, c'est pas. Ça, c'est tzadik. Après, prishut, là déjà, il commence à chassid. C'est déjà la chassidoute. Et il dit le Messilat Yesharim, perek yutret, un perek qu'il faut bien toujours retenir, il dit comme ça. Midat hachassidut tzrichai behemet le biur gadol. Il faut qu'elle soit bien expliquée ce qu'est la chassidut. Kimin ragim rabim ou drachim rabim ovrim ben rabim imne adam shen chassidut. Il y a beaucoup de comportements qui sont communs et qui sont appelés chez certains midat hachassidut. Chassidut ve'enan golmi chassidut. C'est la chassidut à son état brut, sans forme, sans sens. Blit to'ar, blit tsura. Et il dit, venim charze, pourquoi? Parce que Mechisaon a yun va askala amitit, asher le bal, kilotarchou, velo initiagou. Ils ne sont pas fatigués. La date est derrière Hachem, bidia broura. Ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués de savoir qu'est-ce que Hachem veut vraiment. Et là, ils tracent d'ouvel, chouba mechenis d'amem, le fiasa rishona. Ils sont restés très, très, très premiers. Alors, très premiers dans le sens où ils n'ont pas approfondi ce qu'Hachem veut vraiment. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Leur première Havana. Velo imikou badvarim, velo shaklou otam bemozne achokma. C'est-à-dire, pour être un chassid, il faut être un amkan. Autrement dit, il faut quelqu'un qui sait approfondir les choses. Il dit, veine, eleiv ishu etere ha chassidut. Ils ont abîmé l'odeur de la chassidut, beene amon anashim ou neskilim imaim. Par leur comportement superficiel, ceux qui ont adopté un chassid sans avoir approfondi quoi que ce soit, ils ont abîmé le nom de la chassidut. Et on n'est pas au Baal Shem Tov, on est bien avant Baal Shem Tov. Hein, c'est pas du tout, il ne s'agit pas de la chassidut Baal Shem Tov ou du Gaon de Vilna, hein, je précise. Là, il parle, donc il y a toujours eu des gens qui ont cherché à se donner des... Le gars, il s'habille en blanc tout d'un coup. Etc. Bekitsour, le gars, tu lui dis, vas-y, explique-moi un Tosfot ou un Ktsot Achoshen, une autre fois. C'est quoi la chassidoute? C'est se mettre en blanc. C'est ça la chassidoute. Ils n'ont pas approfondi. C'est bien de se mettre en blanc, peut-être, mais c'est après. Si tu es un chassid, והנה אלה אישו את ריח החסידות, באשר כבר יחשבו שהחסידות תלוי בדברי הבל ודברים נגד השכל, ויאמינו את כל החסידות באמירת בקשות רבות, וידויים גדולים, יבואו פרטות לתפילה, לתות החנון, בחיות, יש את החוויות גדולות, סיגופים הזרים, יבואו כתבילות הקרח והשלג, סון סנדרי התרדלה ומקווה, סון סנדרי התרדלה, יפרן דשוז כסון, לא ידעו כי אף על פי שקצת דברים לא צריכים לבעלי תשובה וקצת הם ראויים לפרושים לא על אלה נוסד החסידות כלל זה פסל החסידות הלאום מקווה, פרבוקו דו תפילות, פרבוקו דו תפילות זה פסל החסידות
כי אם הטוב שבא מן הגים, לא ראוי לטוב על החסידות. אך מציאות החסידות דבר, דבר עמוק מאוד להבינו אל נכון. דיל החסידות זה... על ידי זוהר, משורש, יפורר על מציאת ישעים, שורש על סיפס כי עלר, לא המארץ חסיד. כלכן כי נפה פרופונדי לתורה, כי נפה רמפלי סון ונטר, דו שס, דו פוסקים. לא, היא פפה עברת עברי חסיד. ידיל לו חסיד, זה אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה דחת רוח ליוצרו. והעניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל, כי ידועת וחובת הנדועה. מצוות, עושה. 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 צד צדיק. Les mitzvot et les avérot, c'est tzadik. On n'est plus dans le registre mitzvot et avérot. Maintenant, on est chassid, il faut plus. Omnam, dit-il, Miche ohev et aborit barach shemo ahava amitit. Un vrai amour. Lo ishtadel vichavel liftor atzmo vachikvam brusam la chova shal kol Israël bichlal. Faire ce que je dois faire. La ikre lo kmo sheikre el ben ohev aviv. Un enfant qui aime son père. She ilu yigale aviv et dato gilu yimeat shu chafez barav nadvarim. Si là, une petite. Il lui laisse un remèze, une illusion, donc qu'il y a quelque chose qui lui plaît. Il lui insinue quelque chose. Il laisse entendre. Genre, ah, je cherche à lui faire plaisir. Kvar yarbe arben badavahou maseahou kol bashi ukhal. Va falpi shelo amaro aviv. La pam achat ou va chatsi dibour. Il a fait un demi-mot là-dessus. Il cherche à comprendre, oui. Il cherche. Qu'est-ce qui me fait plaisir à mon père? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Il sait, il lui dit, ah, mon père, il aime ça. Voilà, exactement. C'est le fini mishurat adin. Ça veut dire quoi, le fini mishurat adin? Savoir ce qui fait plaisir à Hachem. Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? והנה דבר זה אנחנו רואים אותו בנו שיבולם בכל ובכל שעה בין כל אוהב הרע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כלל הוא של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת. סטוס ומקיים, שלא יאמר, לא נצטוויתי יותר. זה לא עוד, זה. אלא ממה שנצטווה, ותור שרשה, הפרציר דסקיה, לא עוד, דורטילה הייתה לובג'י, כיף כיפה, אונקור פר פליזיר. ידיס אלה ממשות, סביב כי מי שאוהב את בוראו גם כן אהבה נאמנת. Lo yomar daily, c'est ce qu'on m'a dit. Je fais l'anecdote. Et la adra be yomar kevan shikva matzati ra'iti shechavtzu itbarach shmono telaze. Alors je vais chercher. Ça c'est aussi nachat ruach liyotzro. Nachat ruach liyotzro, c'est celui qui sait comprendre la volonté d'Hachem. Et ça n'est donné qu'à celui qui a amalo batora. אשרי מי זה מרקן להגמר דם ברכות, י' זין. אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה את נחת רוח ליוצרו. אפילו מי התרסו, יסילו מסילת ישרים, ידיק לפשט, ידיפה אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. פרס כי לעמל בתורה, אבק לו עמל, יפה נחת רוח ליוצרו. זה פסל לפשט. אשרי אדם שעמלו בתורה, כי הוא מזור דונק דפר נחת רוח ליוצרו. תשתנו, תשפה פר נחת רוח ליוצרו. Pas un arrêt de voir le Yotzro, il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il aime, qu'est-ce qui lui fait plaisir, quoi. Tu crois, t'habiller en blanc, ça fait plaisir à Hachem. Ah ! Ou je ne sais quoi, ça fait plaisir à Hachem. Tu sais pas ce que veut dire Hachem. Tu connais pas sa volonté, t'as pas lu correctement ce qu'il veut. Misha Amel, Azuyodea, ce qu'il veut Hachem. Donc ce qu'il veut, je suis capable, si je suis bien à l'écoute de ses paroles, de comprendre ce qui lui fait plaisir. Mais si j'écoute pas, je vois, quoi, ça, t'as sorti ta sauce. Ça, c'est pas de la chassidut. Regardez donc dans Perek Yutet, à la fin, dans Perek Rafav, Midat Akdusha. Donc Yachar, chaque Ben Israël est Yachar Tzadik, celui qui fait Hassid, c'est celui qui a Amalo Batora. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah ici. L'homme arrête Hassid. Tu crois que tu peux. Il peut te citer un Maharet, tu peux pas être un Hassid. Oublie ça. Shre Misha Amalo Batora, il sait entendre Hachem et il sait écouter ce qui n'est pas explicite. Ouais, mais ce qui nous laisse entendre que ça fait plaisir. Vloa ma'aretz chassid. Et dit le Messilat Yesharim Perek Chavav, Inyan Akdusha Kafulu. Trilato Avoda, Sofo Gmoul. Trilato Ishtadlut Vesofo Matana. La Kdusha, qui va aboutir sur Roi HaKodesh, c'est un cadeau d'Hachem. Celui qui a été Yasha, qui est Tzadik Chassid, Hachem lui donne la Kdusha. C'est exactement. À la sortie d'Égypte, on était Yasha. Ensuite, pendant les 32 premiers jours de la Sfira, il faut le kavod. Kavod, c'est donner du poids aux choses. Après, c'est le tov.
Ouais, ça veut dire ce qui est tov, c'est-à-dire on va plus loin. Et ensuite, Shavuot, c'est Kedusha, c'est la Matana, la Torah qui a été donnée par Matana. Yitzhak, ouais. Yachar Tzadik Chassid, Kadosh, ça c'est les droits. Ça c'est ce qui dit Hillel Azaken. Lo Amaretz Chassid, Lo Amaretz, il peut pas être un Chassid. Pour être un Chassid, il faut avoir être. Le Chassid, c'est quelqu'un qui a. Dans Perek Yutet, il dit, je cite juste pour donner une illustration un petit peu, il dit que la chassidoute se partage en deux parties, Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Il dit Ben Adam la Makom, Kiyum kol ha mitzvot b'chol ha digdukim ad makom shi ad magat. Il dit il fait la mitzvah dans toute sa splendeur. Pas, il n'est pas Yotze Yedechova. Il fait toute la mitzvah dans toute sa splendeur. Il dit, Ben Adam la Chavero, Bagouf, Shei Mishtadel la Azor, Kol Adam, Bameshiouchal, Veakel Maasa Mealem, il va aider. Il va comprendre ce qui leur manque. Ben Mamon, Itzayo Bechol Asher Tassig Yado, Ben Nefesh, Ishtalo Asro, Kol Korat Ruach, Shiesh Biyado. Il veut lui faire plaisir. Donc, c'est-à-dire, tout ça, c'est il peut être. Il n'a pas. Avant là, c'est quelqu'un qui a. Qui génère du tof. Le chassid. Voilà, exactement, excellent. C'est générer du tof, générer du tof. C'est pas ça. Ça, c'est donc le résultat. Donc, Bezrat Hashem, l'inéler demain, on verra. Velo à Baïchan Lamed, la boucha, donc du Ham Israël, qui sont Baïchanim. Mais d'un autre côté, Lo à Baïchan Lamed. Hazak ou Baruch.